Yo la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'était une vidéo un peu impromptue. J'avais juste prévu de lancer un live, ouvrir le nouveau choix icône sur mon compte et faire Fut Champions. Et au final, j'ai ouvert le choix icône de toute la planète Terre, les gars. Donc vous allez pouvoir voir dans cette vidéo si le choix icône de base, Centurion ou Fulgurance 87+, vaut le coup. Regardez, il est là, il est prêt. Ça, c'est mon compte principal, mais je l'ai également ouvert sur le compte secondaire, sur le compte d'Idri, sur le compte de mon frère Sacha, sur le compte de plein d'abonnés. Voici du coup tous les packs ouverts aujourd'hui. Vous allez savoir après tous ces packs là ce que ça vaut. Et avant toute chose, petite promo pour mon sponsor IGGM. Et avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que vous avez 5% de réduction sur vos crédits chez mon nouveau partenaire IGGM. L'achat de crédit comporte des risques. Je vous laisse donc visionner le tutoriel que j'ai fait spécialement, disponible en description. Bonne vidéo à tous l'équipe. Choix joueur icône de base, Centurion Fulgurant. C'est le premier aujourd'hui que j'ouvre, c'est sur mon compte secondaire. Voyons voir ce que ça dit. Est-ce que je vais avoir le meilleur joueur du jeu, à savoir Cruyff 95, sachez-le, il est meilleur que Ronaldo 94, sachez-le, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort, les gars. Quelle icône se cache dans ce choix icône Centurion de base Fulgurance 87+. Normalement, j'ai une petite A7, je vais la trouver. Les gars, les drapeaux, est-ce qu'il y a un Brésilien? C'est pour la prédiction. Moi, je veux Pays-Bas-Brésil, en vrai. Pays-Bas-Brésil, ça me rend heureux. Wesh, l'image... Attends, il y a Brésil. Il n'y a pas Bay, mais il y a Brésil. Ah ouais, non, mais là, mais les cartes sont pas bonnes, là. Mais les dimensions sont pas bonnes, là, les frères. Mais surtout que là, je vois le playstyle du Brésilien et c'est pas R9. C'est pas R9, le Brésilien, non? On est d'accord, hein? Anglais, Argentine, Brésil. Ouais, franchement, les gars, c'est Ronaldinho qui a ce playstyle? Oh, mais c'est une win, les gars. J'aurais préféré Rony. Ah, j'aurais préféré Rony large. J'aurais préféré Rony, mais tellement... Ah, mais en vrai, de vrai, c'est une win. C'est une win, c'est un joli pack. Deuxième choix icône aujourd'hui pour le frérot Kaïs DZ. Hein. Pas le premier pack que j'ouvre dans ma vie sur son compte. Et certainement pas le dernier. Merci, Kaïs, de ton dévouement pour ce live de temps en temps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. On va faire une deuxième tech. C'est la tech statistique, les gars, avec nos grosses têtes. Du coup, je vais ouvrir le choix. Je vais regarder les stats directement et je vais les découvrir une par une. 3, 2, 1, hop là les gars, le paquet ouvert. R3, R1, R1, logiquement je suis sur les stats. Maintenant les gars, on va découvrir si on a des bangers ou pas dans ce choix. Premier joueur les mecs, 86 de physique. Ça peut être Gullit n'empêche. Voilà, ce sera pas un attaquant je pense. 89 de défense. Ah Gullit il a plus en détente tout ça non? Bon il a des bonnes stats, 80 plus de partout quoi. Passe 86, ouais il a plus de 80 de partout. 87 en frappe, un petit Balak, un truc comme ça. 60, ouais Balak peut-être. Coman. Oh, Coman Centurion. Il peut jouer quel poste, lui? Ah, que DC. Ok. Premier Coman. C'est pas une grosse lose, je dirais. Pas une grosse win, mais pas une grosse lose. C'est trop habitué au Gullit et tout, j'avoue. Deuxième. Ok, déjà, je suis content, il n'y a pas de gardien. Et là, ça ressemble plus à du Gullit, là, 88 de physique, non? Force 91, détente 94. Là, on est pas mal, là. Après, on est certainement sur un défenseur central aussi, il faut pas oublier. Hein. Mais la tête de moi, Gullit, il a des stats qui ressemblent à ça, les gars. Précision, tête 90. Mais il y a moins que c'est un DC, hein, ouais. Il y a moins... Ah, je crois que Kaïs, il a vu. Kaïs, t'as vu le choix? Ah ouais, là, c'est un DC, frérot. Là, c'est... Ah ouais, là, c'est Nesta, c'est quoi? Oh, putain de merde. Force, frérot. Bon. Le troisième? Ah, là, on aime ça. On aime les petits joueurs qui n'ont pas beaucoup de physique, là. C'est des petits cracks, généralement. Ah, 38 de défense. Allez, c'est maintenant que c'est important, les gars. Est-ce qu'il a des stats de port ou pas? Éclaté, ses stats en dribble. La tête de moi éclatée. 86, 84... Ah, force, frérot. Je sais pas c'est qui ça, mais il est nul. Oh, putain, c'est Pires. Eh ben, écoute, je pense qu'on va partir sur Coman, parce que dans tous les cas, on va jamais prendre Puyol ou Pires. Redire ton Fut Champion, s'il commençait mal, je sais pas si tu vas pouvoir relever la pente avec Coman. Ça va être l'heure d'ouvrir le troisième pack... Enfin, choix, joueur icône de base Centurion Fulgurance. Cette fois-ci, c'est toujours pas mon compte principal. Mais c'est un peu comme mon compte principal puisque c'est le compte de mon frérot Sacha. Vous connaissez bien si vous êtes souvent sur les lives, tout ça. Le frérot Sacha qui est déjà passé en plus sur les lives IRL, les gars. Et j'espère qu'il sera là à notre team, mon frérot Sacha. On t'attend avec impatience. Bref, on va lui ouvrir son choix, les gars. Sur play, il a vraiment pas de chance cette année, Sacha. Vraiment, sachez-le, il a pas de chance. Donc j'espère que je vais le mettre bien. Il a des goûts de luxe par contre, hein, sachez-le. Que Garincha, Jairzinho, ça lui ferait pas plaisir à lui. Il veut vraiment R9, Ham, Cruyff, les trucs comme ça, quoi. T'as capté. Donc on va faire comme tout à l'heure, les mecs. La petite textate, et bon, l'image est prête. On est trop moche, faut qu'on trouve une image pour la Toti à changer, les gars. Je vous jure, faut qu'on trouve une image à changer. On est trop moche sur cette photo. R3, R1, R1. Sacha,
Je vais pas mettre sur le premier, je vais mettre sur le dernier tout à droite. C'est parti. Ok, on commence par une icône qui a 83 de physique. Cantona, je crois, il a un bon petit physique en icône attaquant. Hein. Ok, mais ce sera pas Cantona. Défense 92, physique 83. C'est quoi, un latéral? Mais c'est manger un latéral là, le frérot. Hein. 81 de passe. Et un latéral ou un défenseur central. Hein. Oh putain, un latéral avec cette vitesse, c'est un décès ça. Oh, Bobby. Oh putain de merde. Oh. Wow. Ça a dit Maldini dans le chat. Comment vous avez pu oser comparer Bobby Moore et Maldini? Le deuxième? Ok, 80 de physique. Avec peu de détente. R9, je crois qu'il a une meilleure détente que ça, je pense, quand même. Oh putain, mais c'est encore de la défense, ça. Ça c'est un milieu, ça, les gars. Ça, c'est un milieu, ça. Zanetti. Tu sais que je l'ai... Frérot, je l'avais pas qu'à avant d'avoir Gullit sur mon compte, donc peut-être que t'as Gullit dans le choix d'après ou dans le prochain icône que tu ouvriras, t'auras Gullit. Heureusement que c'est pas un gardien, déjà, heureusement que c'est pas un gardien. Il a pas beaucoup en physique, j'aime bien. Moi, j'aime bien les joueurs qui n'ont pas beaucoup en physique. Il a pas beaucoup en défense, logiquement. C'est maintenant que ça se décide, les mecs. Frérot, c'est pas ouf ça non plus, 89 dribbles. Il va se taper un Barnes, un truc comme ça, là. Ah, frérot, c'est éclaté. Zola. La skip, il est bon, c'est un bon joueur, mais ça y est, frérot, là, maintenant, les gars, on est en janvier, il y a la Totti. Putain, il avait raison, Sacha, de me dire. C'est très bien que je vais rien avoir. Mais frérot, je te dis, prends Zanetti. Et moi, j'ai eu Zanetti. Ensuite, j'avais eu Gullit dans le pack d'après. Donc peut-être dans ton prochain pack icône que tu ouvriras, peut-être à la Totti, qui sait, t'auras Gullit. Non? Prends la note balèque, on est d'accord. Allez, Zanetti, les gars, pour Sacha. Bon, bah les mecs, hein, ça part en vidéo. On ouvre 10 choix icônes. Centurion, basse, fulgurance. Il est l'heure d'avoir R9 ou Cruyff ou un truc gaze, bien gaze, comme à chaque fois. Maintenant, on est au courant. On est parti, les gars. Il a fait le SBC de Zizou. Il a fait deux SBC de Zizou. Il repart avec le 94 désormais. Bah, c'est mieux. Frérot, c'est mieux. Bah, tant pis pour tous tes faudeurs que t'as jeté dans Zizou. Mais celui-ci sera meilleur, normalement. Logiquement, il sera meilleur. Et c'est une win, ça. Et une win, ça. Ah, quand même, les gars. Il a dit tech stat, il a dit c'est bon ça. Les gars, nouveau choix, icône, nouvelle tech statistique. Putain, on en ouvre des packs icônes ce soir. Donc, on ouvre le pack. J'espère que t'as éteint l'écran. Hein. J'espère de tout mon cœur que t'as éteint ton écran, que tu vas pas voir le pack, mon frérot, parce que c'est maintenant. La mère d'Idriss Elbeuk. Oh, imagine, ça lui prend le choix sans faire exprès et tout. Tapoter, ne fais pas le TikToker. Yo, tapoter, les gars. What's this? Allez, les gars, on continue. Donc, ça, c'est un attaquant. Il a eu 34 buts en équipe nationale, il me semble. 34 buts en équipe nationale, les gars. Très aigué. Non? Ah, c'est un bail de Trezeguet. Si c'est Trezeguet, je suis trop fort. Oh, la tête de moi, les gars! Exceptionnel! Oh là là, les gars. Franchement, là, je suis un crack, faut le dire. Voilà. Bah, merci, je sais, les gars, je suis exceptionnel. Trezeguet, il était facile à deviner. 34 débutants. Hein, je suis bon, je suis content, les gars. Deuxième! Il va avoir des attaquants, lui, je crois. Deuxième icône de ce choix. Ah, c'est mieux. Là, ça commence à me parler, quand même. 91 de dribble, là. Là, c'est mieux, non? Là, c'est mieux. Allez, normalement, il va être bon là. Mais surtout là. Quoi? Ah, c'est un ailier, ça. C'est quoi? Luis Figo. Bonne. En vrai, ça va. Moi, j'aime bien Luis Figo. MD. Ok, MD et MOC. Moi, ça va, Figo. Troisième icône. Non, il va vraiment avoir trois attaquants. 77 de physique. R9, il a 77 de physique, les gars. Je l'ai déjà, je suis au bout. Ah, t'as déjà Figo? 90 de dribble. Ça peut quand même être une win, les gars. Ça peut quand même être une win. 86 de passe. Allez, les tirs. Une grosse note en tir, s'il te plaît. Ça, c'est... Je sais pas, c'est qui. C'est... J'allais dire, mais ouais, il ressemble à Figo, le mec. Et ben, c'est Figo de nouveau. Je suis mort, c'est le pire choix possible. Attends, mais frérot, vu qu'il y a écrit déjà possédé au milieu, c'est le pire choix possible. Je crois qu'il faut prendre Figo et que tu le jettes quelque part. Hein. Bah ouais. Go Figo. Et le jeter quelque part, bah Figo lequel? Celui du milieu, bien sûr, et le jeter quelque part. Merci Gojmes, force à toi mon frère. Kevin, mon frérot. Allez, là ça va être une win, je le call, yo. J'ai déjà donné une trentaine, j'ai rien eu, mais je continue. Aujourd'hui, la roue tourne, mon ami. Choix, Centurion, base, fulgurance, icône, 87+. Supprime le snap, vite. Non, frérot, j'ai fait tomber le téléphone, hop là, on oublie tout ça. Prends-moi Rooney. Allez, on prend Rooney. Nouveau choix icône, les amis. Nouveau choix icône. On est parti pour un choix icône, Centurion, de base, fulgurance 87+. Et qui a fait cet asset de merde? C'est toi, Artan. Regarde-moi cette merde. Et du coup, je dois faire ça, Artan, pour la remettre bien. Mais du coup, regarde, on voit les playstyles et tout.
Et frérot, là, on est en train de voir que surtout le frérot, il a un choix éclaté, le pauvre. Le pauvre, les gars, je suis obligé de découvrir tout de suite, c'est... Oh, Smith et oh, la tête de moi, il a Del Piero. Frérot, si tu veux, mais en plus, c'est la meilleure note du choix. Faut prendre Del Piero. Faut prendre Del Piero tous les jours, il est vraiment bouillant. Del Piero, il est bouillant. Moi, c'est mon conseil personnel. Après, je te laisse choisir quand même de ton côté. Faire tes choix par ton propre cerveau. Bref, j'en ai marre. C'est le 10e, je pense. Hein. 11e. 11e pack icône qu'on ouvre ce soir. Ah là 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 là. On est parti, les amis. Allons-y, les gars. En tout cas... T'avais pas d'avance pour cette A7, mais maintenant qu'elle est là, elle est incroyable. On est parti, les gars, pour un nouveau choix. Icône. J'espère avoir des drapeaux qui m'intéressent. Oui. Et non. Et non. Drogba. Hadji. Il avait pas Zidane dans son équipe, lui. Ah, mais c'était le 92. Il peut repartir avec le 94. De toute façon, c'est le seul qu'on veut, là. En vrai, de vrai, je pensais. Emmanuel Petit. Ok. Ok. Après lui, il avait pas qui Ronaldinho sur son compte. Est-ce qu'il avait besoin de Zizou en plus ou quoi? Je suis pas sûr. T'as vu? Mais en tout cas, nouveau choix icône éclaté. Les amis, je sais pas si ce passage ira dans ma vidéo ou celui d'Idriss, puisque c'est le pack d'Idriss, les gars. Comme d'hab, il est en retard. Et vu qu'il est en retard, je dis, bah, je vais faire ton pack icône, frérot, vu que t'es en retard. Donc on va ouvrir le pack icône d'Idriss. On va faire une tech stat. C'est le pack icône d'Idriss, donc je vais essayer d'avoir du lourd, les gars, et de prendre attention, enfin de bien faire attention à ce que j'ai dans ce pack. Donc c'est parti pour la tech. Textat, il m'a dit, pack moi R9 Hi-Fi. Allez, c'est parti les gars. C'est parti pour le pack icône de la base, mon frérot. Pour toi, pour que tu reprennes du plaisir à jouer à FIFA. Je sais qu'Idriss, il a beaucoup de mal en ce moment. D'ailleurs, je voulais vous le dire les gars. Il est en 6-3 FUT Champions. Score éclaté pour Idriss la base. Je suis en 6-0 les gars. Suis-je meilleur qu'Idriss? En tout cas, Idriss ne veut pas m'affronter, les gars. Idriss versus Yomak, ça n'arrivera peut-être jamais, les gars, parce qu'Idriss veut pas m'affronter. Je crois qu'il a peur de m'affronter, les gars. Donc, je pense que j'ai envie de lui redonner goût à jouer à ce jeu, les gars. Moi, depuis que j'ai packé Gullit 91, j'ai repris goût, les gars. Peut-être que Gullit 91 le satisferait et reprendrait goût. R9, Cruyff 95, je pense que c'est des joueurs qui peuvent le satisfaire. Donc, on est parti pour découvrir les icônes d'Idriss. À commencer par la première. Ce sera 74 de physique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les gars. 44 de défense, j'aime beaucoup également. Pas mal, non? 96 réactivité, 93 équilibre, mais seulement 85 de dribble, c'est pas fou. 76 de passe, un bon truc en tir. 92 en frappe, on n'a pas eu un joueur qui avait 92 en frappe ce soir. 87 de vitesse, Torres, Müller les gars. Müller 92, il y a du gène au moins, il y a du gène. La deuxième icône pour Idriss. J'ai fail les gars et j'ai découvert qu'il y avait un gardien. Van der Sar, je crois qu'il l'a déjà au club, non? On n'a pas vu au club tout à l'heure lui. Ok les gars, j'ai fail, mais du coup il y a une troisième icône à aller voir. Oh le pauvre. Oh putain, 89 de physique. Ah oui, attendez, Pays-Bas et ça l'a prédit, il faut qu'il y ait un joueur Pays-Bas et un joueur brésilien. Müller, allemand. Oh là là, brésilien, 89 de physique, c'est dur non? 90 de défense, c'est dur brésilien, c'est comme ça. Possible après, non. Faut pas que c'est possible les gars. Force frérot. Et voilà les gars, le choix d'Idriss. Qu'est-ce que tu veux que je prenne frérot? Prends Van der Sar, tu sais qu'à skip il est nul, hein. Mais bon, au moins c'est un gardien. Et on l'ouvre, hein. C'est mieux, non? C'est parti, les gars. Boum! Il y a une chance sur trois, les gars. Il y a une chance sur trois que ça se passe bien, non? Il y a une chance que là, on voit le playstyle, je crois. On voit le playstyle, il me semble. Attendez, je vais agrandir ça. Putain, ça me met ma grosse tête avec Idriss. Mais non, les frérots... Je crois que c'est le playstyle de Gullit, la tête puissante. Je crois que c'est le playstyle de Gullit. Normalement, si c'est Gullit, j'aurais écrit déjà possédé la version que j'ai. Mais du coup, ça peut être Gullit régular. Si j'ai Gullit régular, c'est marrant, les gars. Franchement, si j'ai Gullit régular, c'est marrant parce que quoi qu'il arrive, j'aurais eu le meilleur joueur ce soir, mais pas trop utile pour mon club. En tout cas, là, on peut avoir un petit Mataos, les gars. Donc, on va check. Allez, un petit Mataos, bien sûr, on prend. Bien évidemment qu'on prend. En vrai. Eh, en vrai. Eh, en vrai. Eh, eh, eh. Les gars, déjà, je suis bien. J'ai Gullit et Mataos au milieu de terrain. Mais c'est une dinguerie. Les gars, paye. Ah oui, attends, c'est quoi? 1 million la prédit. La tête de moi, il voit 1,5 million facile, lui. Je vous ai dit, ce soir, c'est moi, j'aurai le meilleur. C'est moi qui aura le meilleur. Imaginez, il y a Gullit dans le troisième. Imaginez, il y a Gullit, les gars. 1 429 000 pour Mataos. Ok, les mecs, bonne nouvelle. Pour commencer, bonne nouvelle. Il en reste deux à voir. C'est qui? C'était quoi le deuxième drapeau? Argentine. Bon, Argentine, les gars. Allez, hop. Oh, Riquelme, les gars, quand même. Éclaté. Les gars,
c'est bon, j'ai Switch. Oh, franchement, j'aimerais bien avoir Gullit. En vrai, Cruyff Régulard, hein, Cruyff Régulard. Attends, ça peut pas être Cruyff Régulard. On a vu le playstyle, je crois, c'est la tête puissante, un truc comme ça. On va voir c'est Gullit tout de suite. Ah, c'est mort. C'est Bergkamp, il y en a, ils ont dit, c'est lui, hein, c'est Bergkamp. C'est Kluivert. Kluivert, ok. C'était bien tête puissante, hein. C'est bien ça, les gars. C'est tête puissante. Effectue des têtes avec une puissance. Ouais, c'est ça. Ah, bah, les mecs, je suis content. En vrai, je suis content, les gars, non? Il est bien le pack. Après, franchement, la vérité, je remplace De Jong, je mets une icône de plus dans l'équipe. En vrai, ouais, hein, je vais faire ça. Hein. J'enlève De Jong, je mets Matao, je vais vous montrer l'équipe, mais je vais faire ça. Obligatoire. Allez, plus d'un million, c'est... Ah, je suis content. Là, j'ai eu de la chance sur mes deux comptes. Ah, en plus, il y a Idriss qui arrive, parfait, il va prendre le relais du live. C'est bien fumier. Mais les gars, regardez. Est-ce que je le mets... Mais Prirou, il a des stats de porc, bien évidemment, je vais mettre Titu. Non, mais regarde-moi ses stats. Ah, mais il a tir puissant en plus. Et il est complètement cheaté, lui aussi. Oh, trop bien. Non, les gars, elle est belle. Ah, elle est belle. Elle est magnifique. Hein. Oh là là, la team TikTok, n'hésitez pas à follow. Hein. Le live n'est pas fini, c'est que le début. Un million ou plus, oui. Oh, un million ou plus sur un de mes comptes à moi. Incroyable. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la finalité, il y a eu 3 bons packs aujourd'hui. 2, c'était sur mes comptes. Voilà, les gars, je suis l'homme le plus chanceux dans les packs icônes, vous le savez. Très heureux, les mecs. Mataos, et on va finir Future Champions. On est en 6-0 actuellement. Peut-être on fera 16. J'espère on fera 16 au moins, les gars, au minimum. Avec cette équipe de fou que j'ai. J'espère que ça vous a plu. Like un maximum, c'était le yo. Ciao, l'équipe.